m'appelle Eric De Giovannini, je suis chanteur lyrique, contre-ténor, et je suis également professeur de chant. Alors, j'ai créé l'ensemble Cotolenti en 2003 pour faire des projets artistiques. Évidemment, j'ai aussi travaillé avec d'autres personnes que mon ensemble artistique, mais ça fait à peu près 23 ans que je travaille en tant que chanteur lyrique et professeur de chant aussi. Plus. Ce projet Calas, en fait, au départ, c'est une demande du conseil départemental qui voulait fêter la cantatrice, puisqu'en fait, c'était son anniversaire de naissance en 2023. Donc, comme j'ai fait quelques projets de chant lyrique avec le conseil, j'ai décidé de faire, en accord avec le service culturel, un concert-lecture, mise en scène, d'après les lettres traduites par Tom Wolfe dans un livre qui s'appelle Lettres et mémoires de Maria Callas. L'art, selon les autres, devrait tout me donner. Eh bien, selon moi, il ne me donne même pas un centième de ce que je voudrais. Le public m'applaudit, mais moi, je sais au fond de moi que j'aurais pu faire mais tellement mieux. Séraphine dit qu'il est assez content de ma Norma, mais non, malheureusement, pas du tout. Moi, non. Je suis convaincu de pouvoir faire 100 fois mieux. Mais ma voix ne m'écoute pas et ne me donne pas ce que je veux. Et donc, j'ai choisi donc une série de lettres qu'avait écrit Maria Callas. J'ai constitué ensuite une équipe, parce qu'il a fallu constituer une équipe, deux comédiens, deux chanteurs et une régie lumière et aussi un pianiste. Et puis donc, le projet s'est petit à petit créé comme ça en 2023. Une fois que le choix des lettres a été effectué et que les gens avaient travaillé un peu de leur côté, surtout les musiciens, on a fait une résidence à Saint-Riquier pour pouvoir monter le spectacle, surtout au niveau des lumières, de la mise en scène. J'ai fait appel à des gens que je connaissais, toujours un petit peu comme ça, sauf une seule personne. Donc je connaissais Susanna Zelenakova, avec qui j'avais déjà travaillé une fois, qui est la mezzo-soprano du spectacle et qui en fait est professeure au Conservatoire d'Amiens de chant. Donc je lui ai demandé si ça l'intéressait parce que je voulais avoir une mezzo-soprano, elle est mezzo, donc elle était libre. Je travaille avec une soprano qui s'appelle Sarah Nassib, donc je lui ai demandé aussi si ça l'intéressait de pouvoir faire ça. Et puis, je voulais une autre chanteuse. Alors, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, je ne la connaissais pas, Cécile Mouton, la soprano dramatique du spectacle, que j'avais entendue lors d'une manifestation. On avait fait quelque chose ensemble, on ne se connaissait pas du tout. Et comme j'avais eu un désistement, je l'ai appelée pour savoir si ça l'intéressait parce que je savais qu'elle avait dans un répertoire qu'avait chanté Maria Callas. Alors ça tombait bien qu'elle a accepté de faire cela. Donc ça, je la connais depuis un peu moins de temps. Les comédiens, ils sont de Saint-Valery. Et moi, je donne des cours de chant à Saint-Valery, donc je ne les connaissais pas vraiment parce que c'est toujours un peu difficile de rencontrer. Mais depuis un an, je les avais rencontrés pour les histoires de chant et puis j'avais vu quelques spectacles. Et alors, je leur ai demandé si ça les intéressait de lire les lettres de Maria Callas. Ils m'ont répondu que ça les intéressait beaucoup. Donc voilà comment a commencé notre collaboration. Et puis le pianiste, c'est un collègue que j'ai, le professeur de piano au conservatoire de la baie de Somme où je travaille. Et j'avais déjà travaillé avec lui, je savais que c'était un excellent pianiste, donc je lui ai demandé. La régie lumière, Manon, je ne la connaissais pas, mais elle m'avait été conseillée par les comédiens parce qu'elle travaille souvent avec eux. Déjà, j'étais agréablement surpris que cette équipe fonctionne très bien. Je connaissais tout le monde, donc je me disais, bon, c'est des gens qui sont très agréables, qui sont très compétents, mais vont-ils s'entendre? C'est pas parce que je m'entends avec eux que toute l'équipe va s'entendre, ça c'est autre chose. Et ça a très bien fonctionné quand on s'est rencontrés et qu'on était 3 jours ensemble, vraiment. On aimerait beaucoup pouvoir le tourner parce que c'est quelque chose. D'abord, c'est un spectacle court, assez enlevé. On aimerait pouvoir le faire. Bon, après, est-ce que ça se fera? C'est toujours un peu difficile parce que là, c'était une commande. On va essayer de faire encore quelques dates, j'espère. Donc, je m'appelle Susanna Lemaire, je suis chanteuse avec une base pianistique et puis je suis professeure de chant lyrique au Conservatoire d'Amiens Métropole. Voilà mon parcours. Eh bien, je crois que j'ai toujours chanté. Il me semble que, puisque j'étais malade en voiture, mon papa me disait pour oublier, il faut que tu chantes. Donc je chantais tout le temps. Et ma maman chantait tout le temps parce qu'on a dans mon pays une très grande tradition orale du chant. Et ensuite, j'ai commencé à faire du piano, donc à l'âge de 6 ans. Et il se trouve qu'ils ont découvert que j'avais une voix. Et voilà, j'ai trouvé que c'était
passionnant et je trouvais ça incroyable. Je m'accompagnais au piano, puis je suis rentrée au conservatoire à l'âge de 16 ans, donc pour le chant lyrique, et j'ai continué mes études du chant lyrique. Alors j'ai l'habitude de chanter avec d'autres chanteurs ou avec l'orchestre aussi, où je suis toute seule. J'ai chanté à l'opéra dès l'âge de 20 ans, donc en fait j'ai l'habitude de scène, etc. Maintenant avec les acteurs, c'est la première fois, mais nous, on avait notre professeur au conservatoire, était un metteur de scène de l'opéra de Bratislava, et c'était extraordinaire. Donc en fait, le travail scénique, c'est quelque chose de très fort, parce que pour nous, il nous disait, un chanteur, c'est un acteur qui chante. D'abord, c'est d'abord le jeu. Donc c'est très naturel. J'aime beaucoup travailler avec les acteurs qui apportent un autre aspect, parce qu'en fait, le mot est très important. Moi, j'aime beaucoup les mots, les vibrations des mots, le sens qu'on leur donne, la psychologie du personnage. Donc on a vraiment cherché dans ce spectacle quelque chose d'assez profond. On allait rechercher cette psychologie de Callas, et on fait tous ces aspects divers. Et moi, je dirais pas que c'est une troupe éphémère. Moi, je dirais plutôt qu'on a trouvé une famille. Et en fait, ça me plaît beaucoup, parce que je trouve qu'on est chacun différent, comme des pièces de puzzle. Et en fait, ensemble, chaque pièce de puzzle est différente, et ça donne une image. Et on apporte chacun notre aspect. Donc, j'ai trouvé ça formidable que toutes ces personnalités ont réussi à trouver cette union, en fait. Et je l'ai ressenti beaucoup dès le premier spectacle, où il y avait de chacun cette envie de faire quelque chose de beau et profond. Et en fait, c'est ça qui nous a unis et c'est ça qui a permis de faire ce spectacle. Voilà, qui va, j'espère, continuer. J'espère que ce n'est pas fini, ce travail avec cette famille. Bonjour, je suis Willy Michardière, je suis comédien, metteur en scène. Je suis également musicien pour la scène, pour des cabarets. Et je travaille depuis une douzaine d'années en Picardie, notamment à Saint-Valery-sur-Somme. Je suis originaire du Poitou, près de Poitiers. Et je me suis formé à Agen, auprès de Pierre de Bouche. Mais ça fait 20 ans que je parcours la France avec différents spectacles. Alors Eric souhaitait amener une touche théâtrale à ce récital. Alors il a fait appel à Yann et moi, puisque nous sommes comédiens, et nous étions passionnés à l'idée de confronter le monde de l'art lyrique au monde théâtral, ne serait-ce que parce que Maria Callas elle-même a été bien sûr une grande cantatrice, mais elle était aussi actrice, elle a joué Médée pour le cinéma. Et donc confronter le jeu théâtral avec l'art et la musique et l'art lyrique, c'était tout à fait passionnant. Alors Eric nous a fait appel, nous avons travaillé pieds et poings liés, lui pour la partie musicale, en nous proposant un montage des textes extraits des correspondances de Maria Callas, et à nous après de faire nôtre cette correspondance, notamment axée sur son rapport à l'intime, sur ses rapports de vie amoureuse, mais aussi, et c'est tout à fait passionnant, à son rapport à la pratique de l'art, à son exigence sur sa condition de chanteuse, son exigence dans son rapport au public. Tous, ce sont des thèmes qui nous rapprochent forcément. Et donc, c'est un travail assez passionnant de pouvoir donner à entendre et pour nous dire des humeurs, des recherches, des pensées de Maria Callas qui sont somme toute universelles et qui peuvent rapprocher des chanteuses lyriques, celles qui nous entourent en tout cas, de notre condition de comédien. Alors cette grande cousinade entre l'art lyrique, la musique et le théâtre m'a réellement passionné. Je souhaiterais vraiment pouvoir continuer avec un autre projet, pourquoi pas avec la Callas. Ce spectacle, ce récital doit pouvoir être vu et revu encore, donc peut-être qu'on trouvera d'autres horizons. Mais ce serait vraiment bien de pouvoir déjà réunir cette équipe à nouveau, de pouvoir le produire dans d'autres salles, pourquoi pas dans des lieux incroyables, pourquoi pas des églises par exemple, ça s'y prêterait totalement. Il y a d'autres artistes, bien sûr il y a la Callas, on peut aussi creuser et trouver d'autres univers, mais confronter même un orchestre, allez, on pourrait monter le carnaval des animaux et puis donner des poèmes qui sont en lien avec, on pourrait faire beaucoup de choses, alors à suivre. Thank you.
Je m'appelle Jean-Baptiste Porquet, je suis pianiste et actuellement professeur au conservatoire de la Baie de Somme. Parallèlement à l'enseignement, je me produis sur scène, soit en tant que soliste, soit avec d'autres musiciens, parfois aussi en collaboration avec d'autres acteurs, des danseurs en certaines occasions. En dehors de mon activité d'interprète, je suis également compositeur de musique à l'image, sound designer, arrangeur, orchestrateur, à travers d'autres projets musicaux. Eric De Giovannini étant l'initiateur du projet Maria Callas, également un collègue, mais aussi un ami avec qui nous avons l'habitude de travailler ensemble. Quand il m'a présenté la thématique du projet, j'ai tout de suite accepté l'invitation. Et à partir de là, nous avons commencé à travailler les textes tous ensemble, en résidence au théâtre de Saint-Riquier pendant 3 jours et demi. Et ça a été une très très belle expérience artistique et puis et de bien belles rencontres aussi, puisque je ne connaissais pas encore toute l'équipe. Alors pour ma part, en tant que pianiste, le travail était doublement intéressant. La première idée, c'était de restituer au piano les couleurs orchestrales, voire symphonique de certains répertoires pour justement pouvoir faire revivre les plus grands airs d'opéra interprétés par Maria Callas à l'origine du projet. Et puis la deuxième idée était aussi de pouvoir s'adapter au timbre et au registre de chaque voix, puisque j'avais 4 chanteurs et chanteuses à accompagner tout au long de ce spectacle. Finalement, je dirais qu'à l'image d'un caméléon, le pianiste doit pouvoir à la fois endosser l'image de l'orchestre, tout en se fondant subtilement dans la personnalité de chaque voix, avec chacune ses propres intonations, ses propres respirations, une manière de phraser, une ligne mélodique, de la laisser en suspens, de ponctuer. C'est ce travail-là qui était vraiment intéressant et enrichissant pour un pianiste. Votre attention à ma voix et vos précieux conseils me porteront là où nous avions toujours rêvé. Je mets ces jours-ci toute ma volonté et toutes mes connaissances au service de normes, et Dieu doit être bon et me garder en bonne santé. Écrivez-moi toujours comme à l'adresse habituelle pour être sûr que je reçoive, car Baptiste m'envoie tout le courrier là où je me trouve. Il vous salue, c'est vrai. Il est très bon et il m'aime beaucoup. Je vous embrasse chaleureusement. Alors, je suis Manon De Poisson. Sur ce projet, je suis régisseuse lumière et créatrice lumière. C'est-à-dire que j'ai suivi l'équipe artistique depuis leur rencontre. Et une fois que la mise en scène a été faite, j'ai pu caler les lumières pour apporter de la matière au spectacle. Alors la chance qu'on a eue sur ce projet, c'est que j'ai l'habitude de travailler avec Yann et Willy, qui sont 2 comédiens d'une autre compagnie avec laquelle je travaille. Et du coup, ça s'est fait assez instinctivement. Eux, ils ont calé les déplacements des chanteurs et la mise en espace de chaque morceau et de chaque lecture sur le plateau. Et à partir de là, moi, j'ai calé mes projecteurs en fonction des zones où ça jouait. Et après, voilà, c'est des mélanges de couleurs, des mélanges d'intensité, d'ambiance qu'on cherche à créer, en fait. On a créé dans un lieu où il n'y avait pas de projecteur LED. Parce que dans toutes les autres salles où nous avons joué, il y a eu de la LED, et ce qui apporte de la couleur. Voilà. Donc à chaque date, il a fallu recréer les couleurs, les mélanges de couleurs et puis les intensités de chaque tableau. Voilà. Donc c'est à chaque fois une mini création lumière pour chaque date. Eric a fait un peu un tour de force parce qu'il a réuni des gens qui s'entendent très bien et qui ne se connaissaient pas forcément. La magie a vraiment opéré parce que dès les répétitions à Saint-Riquier, on était vraiment une équipe et on est super contents de se retrouver sur chaque date. Et c'est un peu une petite pépite, ce spectacle, moi, je trouve. Déjà, ça dure pas très longtemps. Du coup, pour les gens qui connaissent pas trop le monde lyrique, ça permet une première approche abordable et entrecoupée de lectures. Du coup, ça apporte une espèce de légèreté au spectacle et c'est assez émouvant, quoi. Je pense que le final, le dernier morceau, c'est vraiment la belle conclusion de tout ce temps de travail, en fait, qui est en fait assez court, hein, parce qu'on a eu 5 jours, je crois, de répétition avant la première date. Donc voilà, on était tous au taquet.